Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, sous Télévision Nationale d'Haïti, dans le sens, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point. Là, nous prenons la direction États-Unis d'Amérique du Nord avec l'élection mi-mandat. Ça, on relève en anglais mi-term élection. Là, chaque fois qu'on arrive dans mi-temps mandat 4 ans président américain, toujours une élection ça, mardi qui suit premier lundi mois de novembre. Et là, avec invité, nous allons comprendre l'importance de l'élection, un jeu de gain d'élection qui a fait là. Et puis, bataille, on nous dit, ancien président Barack Obama et l'actuel président Donald Trump. Et chaque bon côté par fait campagne pour assurer qu'il y aura une certaine majorité, ou une majorité certaine, dans le niveau congrès américain. On va regarder tout ça avec le professeur Fernando Essimé, consultant en politique internationale. C'est lui qui va aider nous mieux comprendre ce qui va passer demain mardi. Aux États-Unis d'Amérique du Nord, même si grand pile côté déjà des votes qui fêtent. Professeur Estimé, son plaisir pour nous avoir à terre sous TNH. Son plaisir, Sergino Lendor, pour nous avec vous et avec tous les téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Élection mi-term, mi-mandat, qui vous expliquer vous avez regardé les ça? Eh bien, on va explication bien, ou parler anglais, donc c'est mi-terms, c'est-à-dire dans mi-temps, terme que le président gagne, qui sont mandat de 4 ans. C'est-à-dire pays a chaque 2 ans, donc il y a une élection à la donne. Les États-Unis ont l'autre particularité. Nous-mêmes en Haïti, députés pas nous élus pour 4 ans, députés États-Unis, chaque gain un mandat 2 ans. C'est-à-dire chaque 2 ans, il y a obligé de retourner à l'ouïe peuple. Les États-Unis sont gros tonton pays. Et l'homme dit gros, c'est vraiment une échelle de valeur pour mon mettre dans la tête. Son pays qui fait plus que 9 633 000. C'est-à-dire, soit regarder pour prendre 27 000 panneaux pour mettre les États-Unis, ma petit calcul bien. Cette ville de New York gagne 8 514 000 habitants. Haïti, presque gagne 11 millions. Qui donc, une seule ville aux États-Unis, pratiquement gagne même force monde avec tout Haïti. Qui donc, si n'a pas fait échelle de valeur, c'est ça lié. Et l'élection qu'a fait, il y a une élection qu'a fait au niveau fédéral. Parce que pays a son État fédéral. Mais il y a une élection tout qu'a fait au niveau fédéré, c'est-à-dire les différents États, 50 États. Fédéré, il y a une élection là-dedans, et il y a un certain nombre d'États là-dedans qui ont une élection pour gouverneur, et tout, il y a une élection locale qui a fait tout. C'est-à-dire, oui, magistrat, et aux États-Unis, tout, on doit bien saisir, ouais, policier qui a bonne sécurité à ses votos, voter, par exemple, c'est shérif lié, c'est dans l'élection shérif là, aller pour voter le tout. Qui donc sont élections qui ont fait au niveau fédéral, c'est-à-dire dans le niveau États-Unis d'Amérique, qui c'est fédération, hein. Au niveau fédéré, c'est-à-dire au niveau 50 États pays à gagner, et tout au niveau local. Qui donc, il y a une élection pour sénateur, il y a une élection pour député fédéral, il y a une élection pour gouverneur, gouverneur qui a dirigé l'État. Chaque État a un parlement, par un congrès, par eux. Chaque État a une assemblée là-dedans. Qui donc, chaque État ça a une élection là-dedans tout. Alors, c'est chaque c'est mardi qui suit, 1er lundi novembre, et dans mi-temps mandat président américain. Exactement. C'est généralement le ça, l'élection ça a réalisé. C'est toujours comme ça. Parfait. Là maintenant, et ça va toujours arriver qu'on parle en pile de l'élection mi-term sur les États-Unis. Pour qui ça a dit ça, il y a toute attention ça sur lui. En fait, il parle de lui, mais l'élection mi-term, très souvent, c'est les élections du tranché. C'est la base qui est mobilisée pour aller voter. Et très souvent, tout président Campos, qu'on prend des raclés dans l'élection mi-term, très souvent, il fait pratiquement un référendum contre le président. Eh bien, il y a une particularité. Parce que depuis le premier jour, Donald Trump monté, on va comprendre que Donald Trump n'a pas gagné la majorité de vote là. Donald Trump a gagné dans le collège électoral là, c'est-à-dire le nombre de grands électeurs pour l'élu à le faire, mais la majorité citoyens américains ont voté Mme Hillary Clinton. C'est-à-dire que c'était un président minoritaire dès le départ. Évidemment, le système électoral l'a fait comme ça, c'est le collège électoral là qui a dit, mais qui est le monde qui gagne, puisque le monde qui fait vote dans l'État, il gagne tout l'État, par exemple, il attaque Wisconsin. Ou imaginez, peut-être 30 000 voix de différence, tout grand électeur Wisconsin, le jeune Donald Trump, puis le jeune Mme Clinton, Mme Clinton n'a jamais rien, alors que c'est 30 000 voix de différence sur des millions de voix qui baillent. Donc, de fait, et Donald Trump monté de manière minoritaire comme président pays, alors c'est légal, c'est très légitime, puisque c'est comme ça le système l'a fait, puisque ce sont des scrutins qui fait de manière indirecte. Eh bien, Donald Trump monté de manière minoritaire, donc depuis le premier jour, il y a des gens qui ont fait manifestation contre lui, il y a des gens qui bavent les well. Et action vient à poser, vient mobiliser base démocrate là et démocrate yo, ouais, son occasion tout rêvé pour yon venir, pour yon garder est-ce que yon capable de monter pour yon aller pour un contrôle, at least, nous t'a dit, yon nan chambre yo, principalement congrès, puisque pour Sénat, ça va être vraiment compliqué pour yon prendre contrôle Sénat américain, mais pour congrès, donc pour chambre députée à ça ou les chambres des représentants, c'est faisable. Parfait, parce que vous regardez les chiffres qui sont disponibles là.
Et on dit qu'il y a près de 800 000 citoyens qui sont inscrits sous liste électorale pour le mois de septembre seulement. L'organe de 2014, c'était seulement 154 500. Consacré même monde qui croit, c'est l'élection mi-mandat qui paraît plus disputée depuis la dernière année ça, aux États-Unis. Et oui, et l'organe hier, par exemple, m'a vérifié chiffre monde qui est en voté à l'avance. Alors, petite particularité, ça c'est le bloc haïtien. Mm-hmm. Et m'a regardé au là, et de fait, je cite nos haïtiens directement en Floride. Dans le quartier haïtien, l'île tellement longue, il est obligé à le mettre puisque c'est 7 h PM pour tout le monde. Il est obligé à le marquer dernier côté de l'île. Sauf que tout le monde qui est dans l'île, il est arrivé même dans le bureau, il n'y a pas de barrage pour voter parce que c'est pas grâce. Il n'y a pas de voter parce qu'il n'y a pas de voir tout le monde qui vient voter à l'avance. Parce que il n'y a pas de État dans les États-Unis qui autorise les gens à voter plusieurs jours à l'avance. Et bien, il y a pratiquement 27 millions de personnes qui ont voté à l'avance dans un certain nombre d'États qui ont autorisé les gens à voter à l'avance. Qui donc, mobilisation très très forte. Parce que tous les deux camps ont chauffé à blanc. Républicain Donald Trump dit que c'est pour eux le voter. Et Donald Trump a un niveau de popularité qui est assez énorme chez les républicains. Près de 90 à 91% républicains sont satisfaits du travail de Donald Trump. Mais les démocrates là tout, Donald Trump, c'est Sandra Carillon, chiffon blanc pour lui, qui donc lui-même l'a mobilisé tout pour l'albaï Donald Trump canet avec congrès à canet, pour l'albaï sénateur canet, qui donc c'est vraiment une mobilisation hors norme et gain pile l'argent qui investit. Évidemment, démocratio gain plus l'argent que républicain, environ 1,2 milliard de dollars que démocratio récolté, environ 800 millions de dollars que républicain récolté, qui donc gain pile l'argent et gain pile passion et ces derniers temps, avec discours que Donald Trump gagne, yo discours ça yo mobiliser Basli c'est vrai, mais yo mobiliser tout en pile monde qui en face li tout. Alors taux de participation annoncé intéressant pour élection ça yo et faire de signe. Et la plus important que trois derniers yo et ça certainement. Mais généralement dans élection ça yo et parti qui sous pouvoir qu'on a plus chance pour gagner non. Oh non, dans ces derniers temps mis à part George Bush, alors George Bush après 11 septembre, puisque ça c'est donc cas particulier, parce que imaginons après 11 septembre, mon yo pas envie mettre président dans un confort lui, puisque le pays a été pratiquement en guerre, tu as une guerre en Afghanistan, tu as une sonnette tout pour préparer la guerre en Irak, c'est pas le moment de changer de majorité, qui donc, c'est après George Bush là, qui pas de prélessive là, pratiquement tout le monde prend, et m'utiliser moi, pratiquement tout le monde prend lessive. Clinton, que le débat Barack Obama. Et alors, moun ki pa tellement prend gros lessive encore, c'est Papa Bush. Papa Bush là pour l'autre raison très simple encore, pour même causer à tout. Pays a tabra en guerre, t'es en guerre en Irak encore, ça a eu l'opération Desert Storm, l'opération Tempête du désert, qui donc c'était pratiquement même période là. Donc c'est pour raison ça, probablement, moun sa ou pas prend gros tonton lessive, après ça, tout le monde prend bâton. Alors, historiquement, parti qui au pouvoir, il a rarement remporté l'élection, ça. C'est comme ça. Et qui ça qui prévoit aujourd'hui là avec Donald Trump? Bon, Donald Trump lui-même certainement envie gagner le Sénat. Ce n'est pas gagné, mais c'est plus facile pour une raison assez simple. Démocratie gagne plus de sièges pour défendre que républicain. Que nous avons besoin de fonds additionnels, besoin de grand nombre d'amants, mon gain pour aller défendre plus côté. Donc c'est un peu difficile, même si ce n'est pas impossible. Si la vague bleue peut se transformer en un tsunami bleu, ça coûte des montées à prévoir. Mais Congrès a lié à la porte des démocrates, puisque démocrates ont besoin de 21 à 23 sièges pour la majorité. Il y a grand pile monde qui va avoir entre 30 à 35 sièges, puisque dans la Chambre des députés, la Chambre des représentants, il y a 435 députés là-dedans. Donc, démocrates semblent prendre contrôle du Congrès. Sénat paraît difficile, vous dites? Sénat paraît difficile parce que Sénat a renouvelé par tiers. C'est-à-dire, c'est 100 sénateurs qui gagnent, alors évidemment. Marken Maurice, semaine qui se passe là. Donc, c'est 100 sénateurs qui gagnent, là, pour renouveler un tiers tous les deux ans. C'est-à-dire, pour qu'on y a là, moun ki sénateur qui est élu sous base démocratie, moun sa yo gen plus la dedans dans l'élection que moun qui est élu sous parti républicain, qui donc malgré démocratie, besoin prend contrôle là, puisque majorité a ses 52 républicains. Alors, 47 indépendants plus un 47 démocrates plus un indépendant qui a fini démocrate fait 48. Donc, l'on plus siège pour défendre. Qui donc, non seulement on a le besoin de chercher l'autre côté pour gagner, mais siège pour faut défendre yo. Mm-hmm. Par exemple, dans le New Jersey, Fort Bob Menendez réussi, rete nan poste. Heidi Heitkamp nan North Dakota, ka un ti jan pi difficile pour lui parce que lui même li très des rivales républicains. Mais dans le New Jersey, Bob Hogan
pratiquement dans un toss-up avec Bob Menendez, alors que c'était pratiquement un siège qui t'a dû safe, qui t'a dû très sécur pour démocratio. Mais à cause de petits problèmes techniques, Bob Menendez gain qu'il y a avec un petit scandale de corruption que non cité a été devant la justice, pour qu'on ait très souvent peut pas fin tellement remettre Brigand Aïssayo, malgré New Jersey son état foncièrement démocrate, dans niveau ça donc toujours voter démocrate, mais Bob Menendez pour qu'on fin clair face avec Bob Hogan. On regarde un jeu élection ça rapidement pour mon cap garder nous là. Eh bien, je vais lâcher le mot, c'est le reste du mandat de Donald Trump. Ah bon? Aussi simple que ça. Donald Trump ne joue pas pour les autres, là, il joue pour lui-même. Madame Monsieur Alavre, Monsieur a pratiquement un jeu, pour une raison très simple, les démocrates vont lui pourrir la vie. Ça, c'est ça. Est-ce que c'est le même exercice Barack Obama a fait, hein? Parce que nous sommes après l'élection midterm, Barack Obama a perdu le contrôle du Congrès. En fait, très souvent, le président qu'on vient de l'IM, donc il va venir appliquer politique, mais pour Donald Trump, c'est une question de survie. Parce que Donald Trump a des cas qui devant la justice. Bon commission d'enquête, cap mené enquête sous agissement soi-disant la Russie t'est fait dans l'élection 2016. Élection qui t'est menée Donald Trump sous pouvoir. Il y a des gens qui parlent de interférence. Il y a des gens qui parlent même que tu as des contacts entre eux, des responsables du camp Trump et la Russie. Ça, c'est un dossier. Donc, Donald Trump a un dossier devant la justice. Donc, démocratie, même, il va l'ouvrir commission d'enquête. Par le président, c'est où le président toute commission d'enquête. Tout. Et donc, il va demander des dossiers, il va demander des bagages, il va empoisonner la vie de Trump. Et Congrès a une possibilité pour le mettre président en accusation pour lancer la procédure impeachment. Qui donc, si démocratie n'a pas contrôlé le Congrès, puis pas contrôlé le Sénat, je ne donne pas très cher de la peau de Trump, mais évidemment, pour le Sénat, ce sera un peu plus compliqué pour démocratie pour contrôle là. Mais on n'est pas encore là parce que démocratie n'a pas rond sous ça, n'a pas parlé de ça dans la campagne, n'a réellement. Pratiquement, n'a pas parlé pour même causer F-care. Parce que c'est ça, n'a pas porteur, c'est ça, n'a pas envie de nous entendre parler, causer santé, n'a pas concerné vie privée, n'a. Donc, on y a beaucoup sous face Donald Trump, mais on met certains, les couteaux sont déjà tirés et ils seront prêts à se battre. Je vous propose ça, là pour nous complètement là. Complètement. Donc, chaque député est élu pour 2 ans. Donc, 435 députés après 2 ans, elle fait retour ou bien elle a l'élection. Sous Reagan, ou tourner Washington DC dans la capitale là qui se building ça côté et parlement américain. Je vais parler à une société américaine qui est très polarisée. Et vous dites très, m'a dit extrêmement polarisée. C'est pas même très, non, c'est extrêmement polarisée. C'est-à-dire, bien nègre là, le jour, c'est ça, c'est rouge lié. Dès qu'il dit ça, c'est bleu lié. Et on a regardé l'attaque qu'a faite aux États-Unis. Hier, on a regardé les chiffres. 71% attaques terroristes faites aux États-Unis, c'est des white supremacists, c'est-à-dire des groupes blancs, suprémacistes blancs qui font eux, qui donc c'est compliqué, sont une société extrêmement polarisée. Et États-Unis sont un pays de particularité. États-Unis, il y a autant de personnes humaines qui vivent là-dedans, il y a autant de âmes en circulation. C'est-à-dire, même si il y a des gens qui n'ont pas des âmes, mais qui ont des âmes, qui ont 10, qui ont 15 âmes, sont quasiment les gens. Ça dit son pays qui a un pile d'âmes en circulation, plus de 300 millions d'âmes qui en circulation, mais pas les âmes de point, qui en circulation. Ça dit son pays, côté si il y a occasion pour violence pété, très souvent violence KPP. Mais son élection tout privé, après plusieurs colis piégés, on dévoile plusieurs espaces, c'est une démocratie. Alors ça, c'est un monde qui dit ses fanatiques Trump. Alors évidemment, il faut dire la chose comme ça, c'est pas Trump qui vaut ébécier, il vaut colis piégés. Son nek qui doit attendre des discours Trump, ou bien le Trump qu'on a joué mon Dieu très souvent. Très souvent, on est très souvent plus royaliste que le roi lui-même. Donc, monsieur décidé, faut bailler des mondes des menaces. Donc, il voit des colis piégés, que ce soit dans la résidence de la famille Clinton dans New York, dans la résidence de la famille Obama dans Washington DC, il voit tout by John Brennan qui sont anciens responsables dans le service de renseignement sous Obama, Eric Holder, je ne parle. Évidemment, il y a des gens qui sont proches du parti qui jeune colis piégé tout, m'a parlé là de Maxime Waters, c'est ancien bon ami Jean-Bertrand Aristide qu'on ici à la TNH, Black Caucus, m'a parlé tout de multimilliardaire George Soros, qui s'est proche parti démocrate là, qui jeune colis piégé, m'a parlé pour moun qui connaît des films sous la mafia très souvent, yo connaît Robert De Niro, t'es jeune colis piégé tout, qui donc c'est pratiquement des cibles que trop visé. Non, alors, pas CNN, non, c'est pas adressé à CNN directement. L'idée est adressée avec des gens qui consultent dans CNN, parce qu'ils ne parlent souvent dans CNN. Donc, ils vont dans le building Time Warner, qui est dans New York, qui est local CNN. Donc, c'est dans le bureau, ils vont aussi avoir pour Sergi Dolendor, ils vont dans TNH. Parfait. Là, maintenant, vous avez un engagement quand l'observateur constate pour l'élection demain aux États-Unis. Vous estimez que les Américains ont engagé en pile pour voter. Côté engagement, ça sort. Si est-ce que dans l'histoire des États-Unis, vous êtes habitué à la qualité d'engagement, ça? Eh bien, trop sont des gens qui mobilisent en pile.
même j'en ka mobiliser base di en pile moun ki ka il la tout di mon cher il rem te fan 2016 la ba il fait l'encore non en 2016 sondage yo di madame Clinton a gagné m'chita la kay moi m'attend résultat dans télévision sauf que trompe li même pas jamais rete campagne li a la veille élection li même sans campagne li pendant Clinton a fait avec Obama invité Jay-Z vin rap pour li invité Beyoncé vin chanter li a dit a fêté pratiquement victoire li et bien Donald Trump même c'était terrain l'a marché. L'a marché dans Wisconsin, l'a marché dans Pennsylvania, l'a swing tout state yo vinn dans Bored là. Et bien, li marché, li gagne. Et il gagne c'est vraiment au forceps. Li gagne parce qu'en pile monde te croit madame Clinton, dont moi-même, te croit que madame Clinton va le gagner. Sauf que Donald Trump dégage li gagne ben kounya moun ki te fait erreur ça au territoire la caillou, te dit ou te wè soldage madame Clinton gagne ou a besoin mobiliser ou mettre fait journée en font ti repos ou bien le travail, occupation habituelle yo puisque ta konnen jou élection. Li fait non jour la semaine côté moun nan gen occupation pou le faire yo bodi doit yo ki donc kounya yo di ou pas bodi doit yo encore y a voté et trompe tout fire up Beasley parti républicain qui saute font victoire dans cour suprême avec nomination alors nomination plus élection Brett Kavanaugh kounya c'est Justice Kavanaugh puisque c'est membre cour suprême dans donc c'est 9e juge dans cour suprême nan bagaille ça bail parti républicain un bon contentement et ou est tout misé Brett Kavanaugh passé non, Sénat pour ratification et en pile démocrate matériser monsieur a donc bagaille ça fired up donc même yo content et qu'on y a une jeune trop à utiliser pratiquement peur moun yo trop à parler et d'ailleurs langage là on ti gens compliqué trop parler même de invasion puisque il dit caravane k'ap vini avec migrants ou son invasion a fait les États-Unis et s'il dit invasion ou ka comprendre logique là tout poursuivre dans logique là il dit c'est invasion donc c'est envahir pays a lui même il déploie l'armée lui déployer l'armée sous frontière que États-Unis gagne avec Mexique là pour étendre monde. On garde les alors on est qui dans Midwest, on est qui dans Sud. On attend Donald Trump parler. Il dit there might be a lot of Middle Easterners. Lui suspect qu'a gagne un paquet de monde qui sorti dans Moyen-Orient ou même qui connent lui. On dit monde sorti dans Moyen-Orient, mais n'est qui pas tellement connent lui, n'est qui blanc bon blanc, pas fait gros étude là, l'a dit aux terroristes. Par elle dit Middle Easterners, là c'est code qui pour désigner terroriste. L'elle parlait de invasion, n'est qui pas bien formé à lui même l'a dit à mon cher son équipe pour qu'a venir c'est gangsters qui sont dans MS-13 ou bien dans Marazil. MS-13 c'est un plus gros gang qui gagne en Amérique latine non, qui basé Honduras, qui basé Guatemala et qui gagne relais dans principale grande ville américaine yo qui donc l'OTAN de haut du caravane a venir c'est des mobs qui donc wap dit c'est MS-13 Maras 18 qui a venir gros rafale zam pour venir fijo dans Missouri pour venir fijo dans Indiana qui donc l'elle bail message yo codé il pas besoin dit toute bagaille mais le connaît public li a comprendre l'elle parler de invasion c'est la dit des moun qui a venir gros zam pour venir tout yo donc moun yo c'est ça au lit comme message à pas sécurité qui le thème de campagne qui présent pendant alors c'est immigration puis sécurité qui donc il parler le terme immigration donc pays là pas gain vocation pour accueillir toute pile migrant ça yo parce que yo dit qui côté ça camper pour raison yo dit moun yo bail là raison ça qu'a fait 40 millions moun quitté toute Amérique latine par Amérique centrale 40 millions moun li gen la dan Mexique gen plus que 125 millions moun c'est la raison alors c'est réflexion république pas comme c'est forcément Fernando Estive d'accord avec non donc yo dit qui côté trop camper soit que yon premier caravane ou pour rivan nan pour l'autre caravane vini puisque gen 7000 moun ki gen en route qui traverser frontière Guatemala gen Mexique là gen 1500 qui gen quitté Honduras cap marché vini sous frontière Mexique là qui donc sous permettre premier moun yo passer l'autre moun yo a venir incentives dans langue blanc oublier français a pour capable entrer et inciter ou voilà inciter ou vini aux États-Unis qui donc républicain c'est message ça a passé et message là les porteurs dans base tromplan parce que gen moun qui dans base tromplan qui s'inspecte qui a venu comme dévaloriser dans pays a nèg qui blanc li peur li dit mon cher est-ce qu'il va venir chasser dans pays a est-ce que latino va venir mettre le est-ce que black va venir mettre le évidemment ça le dit gen pas aucun fondement scientifique mais le fait que le coin là dedans son danger question pour si nous n'a pas fait États-Unis petite li pour la coucher États-Unis ben ça fait gros problème et le président Trump fait déclaration ça avant 6 novembre et bien elle fait avec dessin pour qui ça le fait avec dessin parce que le connaît terme qui c'est immigration capable mobiliser base dit c'est politique l'a fait évidemment m'a dit mon à ce sujet il ne faut pas trop s'inquiéter hein, okay. Il faut garder son calme parce que moi puis là ici quoi des monde qui écrit sur page Facebook moi Fernando est-ce qu'il va coucher États-Unis non il faut pas s'inquiéter pour l'instant hein. Pour l'instant il faut garder son calme oui ben ça trop dit l'a fait hein.
li pa ka fèl jan li di la fèl la réellement sinon ça va aller devant la justice parce que ça la prend c'est ça relé en executive order en executive order voilà décret qui c'est en français donc la prend un décret pour le dire ça va ka fèl alors tout monde qui fait droit k'ap gade moi la comprendre ça bien dans droit mon bagay yo relé hiérarchie des normes juridiques hiérarchie des normes juridiques là l'op gade le première année loi premier coup droit au moto là yo tout gen constitution en bas constitution gen loi que parlement a voté en bas loi vinn gen décret loi c'est-à-dire on décret que vinn confirmer après comme loi ensuite vinn gen on décret ensuite vinn gen arrêté ça Donald Trump prend c'est ça d'accarer le décret ou comprendre que décret a pas qu'à corriger constitution parce que nous parler de hiérarchie des normes juridiques puisque 14e amendement dans constitution est très très clair il dit moun qui fait sous sol États-Unis hein moun sa yo sa américain yo yé qui donc solide donc le droit du sang donc si moun qui fait sous sol là c'est à le droit du sol si moun qui fait et sous territoire américain c'est américain ou pas qu'à corriger avec un décret ça t'a pas devant la justice évidemment t'a pas l'atterrir devant cour suprême non il y a moun qui vient pè kounya ou dit parce que vous mettez Brett Kevin dans cour suprême non donc républicain ou gain plus compte alors pas plus républicain non pas les moun dans cour suprême non pas filia parti c'est des juges indépendants oui donc comme gain plus conservateur dans cour suprême non ils ont droit à valider sur plan mais non même si c'est conservateur et même si des moun c'est nos républicains qui t'es nommé ça va me dire que suspend juge pour ça. Ça veut dire que vous prenez d'accord pour passer comme si je suis en papier. Non, non, il faut se calmer un peu de calme. Dans la même question immigration, Donald Trump proposait pour changer la fameuse green card là, ça qui permet que mon travail puis vivre légalement aux États-Unis. Il a proposé tout changer certaines allocations sociales, gouvernement qu'on baille, question coût pour manger et tout. C'est un élément qui le met devant pendant qu'on parle là. Évidemment, il met au devant parce que nous, c'est des termes qui porteurs, c'est bail qui mobilise base. Mais entre le dire et le faire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et une série de décisions, c'est le Congrès qui comprend. Même le Congrès a arrêté majorité républicaine, Chambre Sénat a arrêté majorité républicaine, ça a dit sénateur à député, il n'y a pas de code pour devant constituant, devant mon cap voté, dans le district voté au Sotia. Ou bien dans l'État côté au Sotia pour sénateur. Parce que député a même si le républicain, l'elgain 10%, 15% latino dans la communauté là, il y a qui j'ai pour le voter. Politicien, gon seul bagaille li avant tout, son sort personnel. On va ne pas à son trompe, la pense à son pal. Par lui-même, chaque des ans, faut le tourner au peuple là. Donald Trump, tout mettre devant, et ton chômage, il y avait, selon l'IBC, il dit il y a 3,7%, c'est plus faible taux depuis 50 ans. Alors, pour être précis, depuis 47 ans. Ok? Et c'est vrai. Et c'est aussi vrai que le pape a fait campagne sur ça. Donc, imaginez un instant, monsieur Gon, société, côté gagne plein d'emplois. Parce que les taux à plus bas dans la zone 3% dans l'économie, nous relèvent ça plein d'emplois. Économie, monsieur, a bien marché. La bourse de New York a un niveau stratosphérique. Au mettre tant de prix pétrole à monter, les États-Unis, pas tellement inquiétude pour lui, non? Les États-Unis sont actuellement l'un des tout premiers producteurs de pétrole. C'est-à-dire, tous les signaux sont pratiquement ouverts. Évidemment, il y a des gens qui peuvent vous surchauffer dans l'économie. Hein? Ça, c'est l'autre débat. Mais il pas aller travailler sur ça pour le présenter ça comme campagne. Il va faire une campagne positive. Justement, il fait appel avec peur, mon yo. Parce que c'est recette saleté servie en 2016. En 2016, c'est avec peur, mon yo, que tu mènes dans la Maison Blanche. Les tout, bagayote, qu'on t'a dit, against the odds. Ça dit, tout le monde dit, il a perdu. Tout le monde dit, il n'y a aucune chose pour le gagner, le gagner. Qui donc, il prend les bonnes vieilles recettes. T'as qu'on t'a dit, en Haïti, on ne change pas une équipe qui gagne. Sauf que, année, ça, le bon, bon message, t'as qu'à rouler sous lui. Il n'y a pas où le bon CD le ta roule, le juste à pour le CD pour le faire mon new peur, parce que le la peur a été un petit genre utile. Mais très souvent, et bâton que bat chien noir lundi, il n'y a pas de battre lundi. Parce que là, l'idée c'est de faire mon comprendre que ah, si nous décide de faire là, l'autre côté, là, mais ça arrive, parce que mais ça arrive de faire moi-même. Et pour taux de chômage, là, il faut être honnête également. Dans la cause d'emploi, bah, elle a commencé, et d'ailleurs, Obama dit, dans un meeting hier à Chicago, et hier matin, alors hier soir à Chicago, hier matin à Indiana, Obama dit, dans un meeting, ça qui passe, l'on compare 20 derniers mois Obama avec 20 derniers mois Trump, Obama réduit plus chômage, il y a plus de gens qui jouent un emploi sous 20 derniers mois Obama que 20 derniers mois Trump. Donc, c'est réforme Obama qui a commencé, bah, elle a commencé bon sous Obama. Obama parle encore, c'est Trump qui l'a, Trump commence à bénéficier. Et en plus, Trump vient faire tax cut, il vient faire tax cut là, vient bail, on t'y booste tout. Et en plus, tout, il y a un peu de monde qui a confiance dans la politique libérale que Trump a mené. Donc, bien ça. Donc, c'est vrai, c'est à son honneur,
mais c'est également à l'honneur du président Obama. Même si grand pile monde qui croit tout, tout ça Obama a fait, trop de tendance remettre en question. Et grand pile lui remet en question, d'ailleurs tout ça concerne avec environnement, normes que démocrates ont émetté, républicains ont passé via normes, et d'ailleurs c'est pas sans raison. Il y a une machine super PAC qui t'a financé l'élection, c'est pour ça qu'il a financé. Les grands majors américains, les grands manias du pétrole américain, par la parole de mon palais, ils ont une Keystone Pipeline, ils ont une pipeline passée dans n'importe quel, mais c'est un ferme indienne, bah, ça va t'intéresser. Les Koch brothers, bien entendu, pas grand rien pour yon avec nous. Eh bien, vous mettez l'argent à terre. Vous êtes multimilliardaires en vont des candidats, vous passez wow. Et vous mettez combattre, vous mettez plusieurs centaines de millions de dollars à terre pour campagne. Faut passer ouais avec eux, donc République et pas en affaire avec cause d'hommes. Il d'ailleurs une tête IBA qui c'est agence qui occupe les causes environnement. Donald Trump voulait tout certifié bois chat nous a dit en Haïti il a cherché politicien pareil pour le mettre. Là il n'est qui a pas les causes scientifiques, la terre se réchauffe, la terre c'est tof, donc tout j'ai faut chauffer bazou la car ou pas chauffer cabano al faut chita la caille bah au bas comme ça bah il même les besoins déréguler net d'ailleurs il était sorti sur accord sur le climat. Donc, il a annoncé que l'Amérique a sorti. Évidemment, le processus là prend plus longtemps que ça. Qui donc, ton annoncé que le sorti d'accord sur le climat. Qui donc, tout le qui a rapport avec l'homme environnemental, ça n'a pas intéressé. Bon, on va parler de le fameux Obamacare, que lui-même tous les. Bon, pour Obamacare là, non. Pour la République, il y a un gros problème. Le problème qu'a fait au perdre l'élection, il est Obamacare. Et Obama savait ce qu'il faisait. Obama savait que s'il a mis le système de couverture ça qui protégeait, ça aurait les pre-existing conditions. Pre-existing condition, c'est des gens qui ont des maladies chroniques, des maladies que vous lavez ou bien vous venez retirer de lui. Maman, avec papa, me fait diabète, j'ai 70% pour me faire diabète. C'est mathématique. C'est juste mathématique. Ça n'est pas grand-chose qu'on fait contre lui. Il y a des maladies, c'est héritier ou héritier. Il y a des maladies, c'est fait ou fait avec elle. Et bien, très souvent, couverture, assurance, cap bon couverture, yo, yo toujours monter prier pour moun ki gen problème sa yo. Et bien, c'est ça Obamacare la fait, puisque le mede, faut tout moun gon, mende, faut tout moun capable gen accès avec couverture, assurance médicale là, en plus de programme Medicare et Medicaid qui te gen, hein, mais pour couverture là, capable généraliser. Républicain yo, aller dans 5 élections, y a pas les contre bagay ça. Mais il se trouve que, en 2016, moun yo vin remarquer, yo tiré un balle dans pied yo. Et d'ailleurs même moun trop yo prendre courant oui. Qui ça qui passé? C'est malheureux qui pas ka payer assurance pour tête li, moun ki gon ti travail qui pas tellement régulier, c'est moun sa ou plus besoin assurance médicale là. Et ben gros paquet moun nan moun ki te voter trop yo. Yo même problème c'est malheureux oui. Yo gen problème assurance médicale là. Et ben kounya tout moun vinn rendre yo compte assurance médicale là gèlè utile tout moun. Kounya malgré République ont fait 5 élections déjà, 6 élections, c'est causé. Obamacare là, il y a parlé puis il a détricoté puis il a voté contre lui. Et d'ailleurs, nous avons songé sénateur McCain, c'est sénateur McCain qui sauve là, ça. Puisque bah la fin de gâte net, tout le monde croit McCain va le voter pour McCain dit non. C'est ça que fait Obamacare là toujours. Eh bien c'est comme ça qu'il y a République et il y a un problème qui relève Obamacare. Kounya yo même y a parlé au vin piwaalis même que les wa sous la république qui a parlé cause y a protéger Obamacare même Donald Trump lui même dans discours l'a parlé c'est république qui a protéger pre-existing condition ou a dit mon cher c'est pas un coup 360 degrés coupe ça gèle lui même il vivait sous 400. Alors question santé à déterminer dans campagne question santé à déterminer parce que en pile monde rend yo compte ça c'est pas vie personnelle yo à fond n'a pas les journalistes qui mourir Istanbul bah ça va changer la vie entière. On gère cap fait au Yémen, l'ogat photo de Simon nan. On dit, oh, mes amis, c'est triste, moi, allemand, j'ai 8 à quand même sous ta boîte, petit ouri. Mais les Simon ont un diabète, ils ont 11 ans, ils ont un diabète de type 2, il faut le jeune insuline. Il faut le jeune apobite, il faut mettre tout le temps. Ok. Santé coûte cher, États-Unis. Absolument, c'était très cher. Pour on ait fait une opération dans G, il faut qu'il y ait un coup de bon couverture médicale. Qui donc, ça, c'est bagay qui l'a tous les jours pour moun nan. C'est pas comme son bail qui sorti de loin nèg la dou mouche ou la gè 3 bon Syrie bail 3 mois Syrie 4 nouvelles là oh mes amis c'est grave mais étant dit c'est grave là elle prend son la personne prend son enfant et là dans cinéma là regarder le roi lion vous pensez démocratie qui va pile sous ça yo jouer en pile sous lui et d'ailleurs on parler de l'autre bagage dit tout ou on voit l'ogon musique cap marché ou c'est chanter c'est lui ou jouer moun nan pa ka gen musique li cap marché pour la jouer l'autre musique loal nan balabonique son seule musique li chéri BM. Qui te gagne de l'eau, qui te pas gagne de l'eau. C'est bien, elle dit bien, c'est ça qui a marché. Eh bien, démocratie, ouais, tout le monde, c'est dans la parole healthcare, c'est healthcare qui est important pour vous. Vous pas musique, vous pas mix l'autre musique même. C'est parole healthcare, vous parlez, et qu'on y a, c'est Obama qui a tourné vint à l'healthcare. Obama fait même faire blague sur le public, yo. Il dit, mes amis, regardez les filles qui disent, regardez les gens méchants, mais c'est que là, vous ne pouvez pas mentir. Pour jamais, c'est ça, vous parlez.
Obama qui est là, mal qu'on y a pour le dossier, il y a qu'à protéger les gens qui existent une condition. Il y a des bagages qui ont attendu, il faut que c'est revu à privé. Il dit même, moi, Obama, je ne suis pas un tout le monde va être menti. Il y a des gens qui disent Michel, regardez bien, oui. Alors Michel, c'est Michel Obama. Regardez, j'aime laver vaisseau bien propre. Tout le monde va être menti, il y a des gens qui ne sont pas cachés dans le figure de mon salon, il y a des journées qui sont menti. Évidemment, on qui est-ce qu'il disait. C'est un fist fight avec le président. Mais ça arrive tout le temps hein, pour l'ancien président à fight comme ça avec l'actuel président. Et les gens qui tout prêts ou pas faire facile comme ça, mais Obama, il doit défendre son legacy, comme on dit aux États-Unis. C'est sa place dans l'histoire qu'il est en train de défendre. L'Obama qui a fait sa signature campaign promise. Son signature, même d'ailleurs, il peut non tout. C'est Mac Caprété pour lien délébile de manière indélébile dans l'histoire. Et de fait, Obama sera, ta qu'on a dit, au moment dans liste là pour t'arrêter yon nan pi gros président États-Unis gen sous dernière année ça yo avec Kennedy soit chercher 3% dernière année ou 3 présidents ou peut-être moment là dedans sûrement qui donc lui même c'est place dans l'histoire pour le défendre il va quitter trop pas craser tout ça le fait qui donc lui obligé venir défendre place li dans l'histoire. Gros reportage équipe ONUSA t'est préparé et ce duel ça gagne entre ancien président Obama et actuel président américain Donald Trump pour l'élection 6 novembre. Nadia, on va permettre téléspectatrices et téléspectateurs de suivre ensemble avec nous le reportage et aux news te préparer. Barack Obama et Donald Trump en première ligne, un duel à distance pour ce dernier marathon de meeting politique. Jusqu'à demain, le président américain et son prédécesseur vont tenter de convaincre l'enjeu, le contrôle du Congrès pour les deux dernières années de mandat de Donald Trump et donc la poursuite de sa politique. En Géorgie, le leader républicain a une nouvelle fois voulu faire peur. Que pensez-vous de cette caravane? Vous voulez laisser entrer cette caravane? Entre-temps, la semaine dernière, j'ai appelé l'armée américaine. Il ne s'agit pas d'un jeu. Trump ne cesse d'évoquer une Amérique envahie par des socialistes radicaux et des étrangers criminels qui tentent d'entrer par la frontière sud des États-Unis. Les démocrates, qui pourraient prendre leur revanche électorale, parient sur le rejet de ce Donald Trump qu'ils qualifient de menteur et de catalyseur des violences qui ont endeuillé le pays. Dans l'Indiana, c'est ce qu'Obama a dénoncé. Parce que contrairement à certaines personnes, je ne fais pas qu'inventer des choses quand je parle. J'avance des faits pour soutenir mes propos. Près de 33 millions de votes par anticipation ont déjà été enregistrés dans 34 États, soit bien plus qu'il y a 4 ans à ce stade du processus électoral. Le taux de participation est en voie de devenir le plus important des élections de mi-mandat depuis plus de 50 ans. Président Obama l'a gagné en bataille, président Trump bon côté pas le droit frapper. Alors président Trump va frapper, c'est la frappe, pas bien, c'est une question de survie. Monsieur pas dormi même, monsieur pratiquement fait marcher tout côté de Gengouduel, Arizona, Arkansas, Indiana, Missouri, Wisconsin. Et d'ailleurs, ils ont trouvé tous les deux pratiquement même temps dans Wisconsin. Wisconsin qui c'est un état que Trump te swing dans les républicains. Wisconsin, côté le gagné Madame Clinton avec 30 000 voix seulement. 30 000 voix d'écart, qui donc trop à défendre pouvoir l'IA, parce qu'il y a des inquiétudes et inquiétudes justifiées, parce que les démocrates, si vous prenez contrôle du Congrès, vous pouvez persécuter monsieur de manière judiciaire. Vous mettre bâton dans où, monsieur? Non, de manière judiciaire, vous pouvez persécuter monsieur, et d'ailleurs, vous même paré, puis vous avez l'autre loi qui est là depuis le président Ben Machoué. Puis vous dites Donald Trump, il faut le bail. Si le bail fiscal n'est pas venu, pour vous combien le pays, puis vous avez forcé le ouais. Pour mon carré contre le président pays. Est-ce que la campagne, ça n'a pas déjà fait là, c'est pour une campagne qui va aller dans le sens diviser pour mieux régner? Donald Trump, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a un bon message, il t'a qu'à participer, il t'a qu'à proposer mon lieu. Mais économie a bien marché. Tout président a content venu ça dans le comme bénédiction. Mais non, monsieur, font fixation. Caravan, 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 caravan. There's an invasion. C'est ça, monsieur, a dit son invasion a fait sur lui. Donc, monsieur, ouais, c'est peur là que tu fais le gain. Qui donc on prend les bonnes vieilles recettes. Ou pas besoin de chercher, inventer là où, qu'on l'a gonjan le fait qu'on dit là côté d'il, et bien monsieur, c'est là qu'on l'a fait, c'est qu'on l'a fait faire. Mais ici, la plus probable, selon la plus monde qui a regardé, c'est le blocage politique qui fait la décision. Blocage politique, démocratie Abdou Mouché, il va te bloquer rien, la plus beau bouillon. En attendant toujours, c'est toujours mieux à prendre. La démocratie, quelques jours là, on est au pouvoir, et on va dire un mot pour dire non, hein, parce que tu n'as pas fait. Ça le taka dit à outre riche vers eux-mêmes, trop pas aller vers eux-mêmes. D'ailleurs, même sous immigration, je n'en accord avec toi, puis ils virent aller. Dans des mêmes matins, trop plagué, tout le monde va le dire, taga. Où est-ce que janvier 2019, je n'en 116e congrès divisé, oui, là, je vais la parler là. Et divisé, bon, si un parti est majoritaire, c'est majoritaire, donc le parti majoritaire va prendre tous les voix, c'est comme ça. La majorité, toute commission, ou la présidentielle. Et qu'on s'en fait de tout côté, qu'on s'en fait. Mais là, et si démocratie, bat-bat?
et battre comme ça, perdu. Exactement, c'est lui qui est là. Et je pas certain que démocratie, je pense que vous avez gagné le Sénat, mais pour le Congrès, c'est presque acquis. Parce que vous avez un paquet de toss-up dans l'équipe côté qui n'est pas obligé de défendre. Et démocratie a privé, je ne sais pas si ça a besoin. D'ailleurs, il y a des gens qui ont même plus que 30 à 35 sièges, alors que vous avez besoin de tout ça pour une majorité. Là. Donc, vous avez gagné. Oui, 23 sièges, jamais ça. Oui, donc vous avez gagné 30 à 35, donc c'est largement suffisant. Qu'est-ce que ça, sondage dit? Eh bien, pour matin, et nous avons regardé le sondage CNN, ORC Poll. Donc, évidemment, démocratie est comme ça, devant. Et CNN pratiquement presque quoi que Congrès a vint bleu. Même si CNN ça, t'es Madame Clinton dans la maison blanche. Ah ouais, donc avec les sondages, il faut toujours être prudent. Mais si je dois parier quelque chose, je parierai la Chambre des représentants, donc Chambre des députés pour démocrate et le Sénat restera républicain. Si je tape jouer, c'est comme ça que je tape jouer. Évidemment, je vais gagner chaque jour. Mathieu, je vais regarder moi sous 6 et démocratie des sexes sous 6 chances pour gagner et Chambre des représentants. Soit en 84.6%. Oui. Donc c'est ça, comme ça que je tape jouer tout parce qu'il est évident que les républicains ont des difficultés. Parce que ça qui passe, discours qu'on va faire sur l'immigration, sur l'invasion, la permettre des sénateurs républicains qui aiment les mais dans le district, il y a des gens qui passent. Sous le district, par exemple, il y a un paquet de pile haïtien là-dedans. Haïtien, ça, il y a d'accord avec une famille Haïti. Il y a d'accord avec une famille qui est illégale aux États-Unis. Lorsque parle de gens qui ont accouché aux États-Unis encore, c'est la loi sortant en vie votée. Vous comprenez que les gens ne votent pas contre tête. Les gens qui ont été dans le malade, ou bien maman fait tension, maman fait sick, mes amis. Est-ce qu'on comprend qu'ils ont voté contre tête? Parce que c'est la vie de tous les jours moun yo lié et laisser la vie de tous les jours moun yo lié moun yo un petit genre on va yo ka toujours un mot oui mais on dit ah bab ka branche ça encore gagne duel calon c'est très serré dans quelques temps dans couleur pour Nevada, Illinois, New Jersey, Caroline du Nord, Californie. Alors oui, gagne duel qui annoncé très serré dans quelques temps. Alors pour Californie un peu moins parce que Californie ça va aller dans le cas démocrate donc a bien au moins 33 députés démocrates ou bien 35 députés démocrates dans Californie si c'est pas un peu plus. Pour et New Jersey a son cas spécial. New Jersey, côté Bob Menendez. Bob Menendez, c'est petit Dominicain. Petit Dominicain. Donc, il y a une femme, M. Saint-Louis Dominicain. M. T'a eu un petit scandale corruption qui est lié à elle. Normalement, siège, M. pas de jeu du tout. Mais, à cause de problème, ça, il vient faire Bob Morgan, il vient compétitif. Et Bob Morgan, tout son équipe qui est très, très riche, son équipe qui fait l'argent dans l'industrie pharmaceutique, là. Et c'est dans la tête, non, gros bail pharmacie. Donc, M. gagne l'argent en main, et M. prend l'argent en poche. Monsieur investit presque 30 millions de dollars américains dans poche pour faire campagne. Et donc monsieur gen bagay nan men moun bali et li même konnen l'autre grand nèg ou mes amis grand nèg tout. Kap bola eux veut konsa li mes amis. Moi m'bagay zanmi grand nèg bay malheureux bien mais bon bon gen c'est grand nèg li gen zanmi grand nèg et il d'accord prend comme dans poche li. Il prend 30 millions de dollars dans fortune personnelle pour faire campagne. Qui donc li mette Menendez en difficulté même si probablement Menendez a passé gain mais Menendez ta supposé gain 12 13 points d'écart mais probablement là il y en a 2 points seulement. Dans North Dakota, c'est pratiquement certain que le candidat démocrate l'a perdu. Heidi Heitkamp qui s'est sortant, puisque c'est l'été élu sous bannière démocrate là, mais probablement l'a perdu à cause de l'été voté contre Brett Kavanaugh, North Dakota qui foncièrement républicaine, qui s'est état que Donald Trump a gagné au la main, mon North Dakota a reproché ça. Et il y a Pinin Boussa. Évidemment, c'est très serré dans le Wisconsin, c'est très serré dans l'Indiana. Indiana, côté gagné un cœur bête, qui c'est démocrate qui est en difficulté. Évidemment, pour Pennsylvania, ça va être très très serré également, puisque Pennsylvania, un parti républicain, un parti qui est démocrate, donc c'est indépendant pour le faire jouer, mais indépendant, Donald Trump, dans les sondages républicains, sondage CNN, ORC pour le regarder matin, Donald Trump en difficulté chez indépendant, puisque là, 39% d'opinion favorable. M'a dit, mon cap regarder, c'est opinion favorable qui est plus bas pour tout président américain ces dernières années pour affronter midterm. C'est-à-dire Obama, dans le même moment, t'as 45% d'opinion favorable. Bill Clinton, t'as 45% d'opinion favorable. Évidemment, pour deux bouchons, son cas particulier, il ne dit pas qu'il est candidat, mais il a chauffé sous terre. Je connais également le vice-président, l'ex-vice-président de Barack Obama. Joe Biden. Donc, Joe Biden. Et il n'est pas contre l'idée. Il ne dit pas qu'il est intéressé, mais il n'est pas contre l'idée. Et je connais quelqu'un qui est réellement intéressé, qui est sénateur du Massachusetts. Donc, madame la sénatrice est bien intéressée pour un poste. Donc, comprenez, on ne dit pas, il faut pas trop vanter la chose avant janvier. Comprenez, il faut être temps d'élection fin faite pour comment va virer pour garder. Pour qui koto ka aller. Parce que grand pile monde kap chauffer sous béton pour comment yo ka aller.
Et d'ailleurs, Joe Biden, son candidat très sérieux, nous avons parlé de sénatrice là, Elizabeth Warren, qui est sénateur. Marchette, elle-même, elle dit qu'elle est intéressée. Cory Booker, ne dit pas ça, mais il laisse dire pour lui. Quand tu ne dis pas, tu laisses dire pour toi. Ok, donc c'est comme ça. Donc, il y a des gens qui sont intéressés. Maintenant, l'élection, ça, la communauté haïtienne, nous, par exemple, la haïtienne, le Bois, aux États-Unis, qui côté, l'attaque a bien intéressant pour vous. Bon, dans Floride, là, par exemple, pas bois, haïtien, aurait mes guillons. De façon attaque raciste que Ron DeSantis. Alors Ron DeSantis qui a fait campagne contre Guillaume, il a des mots lagués, des mots petits gens, semblés, à jouer mon noir. Donc vous comprenez, haïtien aussi, mon noir, il n'est pas pareil, qui donc il a touché, qui donc pour Floride, là, pas de doute, haïtien aussi, non, Joe Guillaume, pour gouverneur face à Ron DeSantis. Évidemment, c'est un peu plus compliqué entre eux. Bill Nelson qui est sénateur sortant. Donc Bill Nelson qui est sénateur depuis très 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 longtemps. Qu'on y a gouverneur Rick Scott. Ici, d'ailleurs. Donc gouverneur Rick Scott a décidé d'échouer monsieur. Donc ce n'est pas gagné. Donc c'est un toss-up. Nous t'a dit et toss-up bambo en français, ambli et français. Collé. Bah okay. Serré. Serré, oui, voilà. Serré. Donc bah elle a serré entre eux déjà. Donc haïtien yo pour gouverneur, il n'y a pas de doute sur ça. 90-95% haïtiens, vous allez dans Joe Guillaume, parce que parole, on descend, ça parle, parole, ça va pas marcher dans l'oreille, mon yo, et vous pied bef pour pied bef, bon activité là-dedans, vous allez surprendre, c'est pratique. En Joe Guillaume, t'es magistrat, capital là. Alors, chaque état aux États-Unis qui est capital, yo, c'est-à-dire côté siège gouvernement et côté assemblée, aïe. En Joe Guillaume, c'est des magistrats capital, la magistrat Tallahassee. Alors, mon qui Florida, yo, c'est pas Miami ou bien Orlando ou bien North Miami, ça ne connaît, on va connaître qui capital là, ma capital là, c'est Tallahassee. Donc, c'est en Joe Guillaume qui est magistrat Tallahassee, qui donc, yo, connaît. C'est basio, donc, PBF ou PBF, pas gain ou pas bras, ou prenne caille pratique. Évidemment, il y a l'autre course qui ont tiré en serré toujours. Et, course ça, ou serré, a, puis faut là-dedans, yo, démocratie en tête. Okay. Donc si vraiment on vague bleu, ça veut dire les résultats commencent à tomber sous côté est là. Gen moun k'ap voter toujours en dans pays a. Gen moun k'ap voter toujours sous côté ouest. C'est pas États-Unis traversé par plusieurs fuseaux horaires. C'est-à-dire gon central time, c'est-à-dire zone Texas là qui gen une heure temps moins par rapport avec moun qui sous côté est pas parler de zone région qui sorti New York, New Jersey, Washington DC sous côté est là. Et zone sous côte ouest la zone Los Angeles là, gen eu même 3 heures temps. Pour arriver, je vais dire, il y a des temps pour faire des calculs, pour faire des réflexions. Ça veut dire, si vous avez une vague qui démarre, les vagues démarrent, par contre, côté la camper. Donc, ça fait républicain, vous avez intérêt à mobiliser Basio dans l'État côté vous capable de battre la démocratie, que ce soit Wisconsin, Pennsylvania, même si pour Pennsylvania, ce n'est pas certain que Donald Trump a réussi à le faire pendant la campagne là. Donald Trump, tout bon pied à terre dans Pennsylvanie, côté le gain, on risote tout. Alors, et bien, risote puisque le babolan, mais côté le gain, on caille tout, et c'est tout près New York. La Kaili tout, qui donc Pennsylvania très très disputé, même si il y a deux mondes dans Pennsylvanie qui a reproché trop pour une raison très simple. Par contre, si nous sommes que Donald Trump a lancé le nombre de la guerre commerciale, guerre commerciale était lancée contre la Chine et des puissances européennes, même si avec les Européens, là on dit les angles, mais avec la Chine, il était prêt à aurélé des nouveaux tarifs, il était appliqué sur acier et aluminium. Et bien, Chinois n'ont pas égaré, et pas de monde qui est égaré sous la tête. Chinois yo pini Donald Trump, sou ki son konnen yo pinin. Et bien, yo pral pinin sou soja. Soja kote gen nan même bloc la toujours. Yo pral pinin le tout, yo pral pran même sanction le pran yo sou achi pa pa le produit pa le kap vin exporter la kayo. Et bien, si Chinois yo cible les industries. Parfait. Industries Chinois yo cible, des industries dans base moun ki te vote Trump dans Wisconsin, dans base moun ki te vote Trump dans Pennsylvania. Qui ça vous fait mes amis? Moteur Harley Davidson, alors qui connaît des motocyclettes Harley Davidson, yo, il met des sanctions sur yo. Si alcool, les cap venti alcool, yo Jack Daniels, et ben yo met des taxes sur yo, je comprends. Et ben non, yo qu'on joue. Soja, yo t'as pas acheté l'ampile, non, yo met des taxes sur soja parce que Greg Grillte, yo, tout c'était pour trop. Qu'on a au fort senti, graine maïs avec bois maïs, qui est ce qui pique fait? Yo tout ça graine piment de yo, graine piment avec pot piment, qui est ce qui pique? Justement. Mais pour ça, yo dit qu'est-ce que ça continue à bobo, yo, comment c'est pas fini de comprendre? Maintenant, et pour que Haïtiens aient balancé beaucoup plus en bleu ou rouge demain? Généralement, les Haïtiens sont pro-démocrates. Les Haïtiens ont eu un problème avec Mme Clinton. Mais quand tu es supporté, toi, bien sûr, face à Mme Clinton. Ouais. C'était Mme Clinton qui était vraiment ce qu'on peut appeler un bad candidate. Beaucoup trop de casseroles. Et puis, on a une histoire de plus de 25 ans. Qui donc, mon yoté, on tient un bouc avec Mme Clinton. Non, et parce qu'on a des antécédents ici en Haïti. Il y a un bouc Mme Clinton des bagailles ici en Haïti. Et de la traité même mettre le débat. Justement, qui donc. Moun yo te plus de problèmes contre Mme Bagay, je me parle de comportement de vote, de choix, qui parle de comportement de vote. On peut voter pour quelqu'un
Tout comme on peut voter contre son adversaire. Il y a deux monde qui a voté Donald Trump, qui a voté plus contre Madame Clinton que a voté Donald Trump lui-même. Sauf que Madame Clinton is not in the ballot right now. Madame Clinton pas dans bulletin ballot, pas dans bulletin Kounia qui donc si a jugé, il a jugé Trump pour ça qu'il fait pendant deux ans le candidat Kounia ou bien le président Kounia qui donc de fait haïtien ou probablement aller plus dans bon démocrate de toute façon pour la Floride, c'est acquis. Les Haïtiens ont voté majoritairement Joe Guillaume. Par contre, si vous avez une chance, vous avez imagé. À 7 heures, les Almete et dans le quartier haïtien, comment ils sont là, on marqueur pour qu'ils aient montré côté l'île infinie. Les gens qui étaient dans l'île ont fait 5-6 blocs. Ah c'est-à-dire l'île était longue et les gens qui ont gardé, c'est créole là de vous parlé. C'est-à-dire c'est vraiment en pile haïtien qui mobilisé. Et d'ailleurs, vous avez dit, allez, vous avez Guillaume vote. Donc, on doit leur décider. Leur décide de dire, je dois occuper, je dois faire le travail. Yo toal bay Guillaume vote là depuis dimanche soir. On a ici remis dernier les tout, c'est des dimanche soir pour moun yo te saoure les early vote. Et comment anticiper? Vote anticipé oui, pour te faire early vote là donc vote anticipé ya. Donc moun sa yo depuis nan dimanche soir ou perdi soir dimanche soir, dimanche après-midi ya, yal bay Guillaume parce que même yo convaincu et vinn joine Ron DeSantis a parler causer gen groupe suprémaciste qui dit noir c'est macaque. Qui font robocall. Robocall l'a vraiment très mal passé parce que vous montrez comme si c'est macaque ou un descentissier. Donc on est même l'autre pour un monde, mais les gens ont dit, nest c'est macaque là. Et vous gardez couleur pour vous. Eh? Vous comprenez? Vous ne pas laver tout. Ouais. Qui donc haïtien en Floride, je ne sais pas l'autre côté, mais en Floride, c'est Andrew Guillaume all the way up. Peut-être dans New Jersey, il y a là qui a réfléchi pour Bob Menendez, même si vous remarquez. Cory Booker pas tellement mobilisé le Tobin Nendes, puisque Cory Booker extrême, qui c'est l'autre sénateur New Jersey, puisque chaque état a deux sénateurs, Mbawel tellement fait campagne, puisque peut-être la pense à 2020 ou là, il est dans tout le pays, même pas celle-là, supposé de Menendez. Mais de toute façon, dans le compte qui gagne dans New Jersey, au gros paquet là-dedans, qui c'est pratiquement des bastions démocrates, ça dit si nous pouvons côté, nous connaissons que c'est New York, que ce soit Evanston, que ce soit East Orange, que ce soit Orange, que ce soit South Orange, que ce soit New York. C'est des bastions démocrates. Il a une bonne présence haïtienne. Hein? Donc, oui, justement, c'est base haïtienne. Comme on est comme ça, donc c'est base haïtienne. Et juste River Jersey City, tout, c'est base démocrate qui, donc, probablement, Bob Menendez a sauvé Misli, mais il a eu des sueurs froides. Quel est le résultat de comment c'est sorti là? 6 novembre, donc depuis 7h du soir, on commence à avoir le résultat parce que ça a eu un early vote. Donc, early vote est fini, donc il y a un résultat ça disponible. Et le résultat ça a tout. Base, toute grande chaîne télévision américaine, il y a une base électorale. CNN, depuis hier, il y a pratiquement Washington DC, toute émission, d'ailleurs, pas qu'émission que fait la semaine, il y a fait au début d'un dimanche. Ça veut dire qu'il va prendre break même, qui donc c'est élection à suivre, il y a des résultats au fur et à mesure. Donc depuis 7h du soir, on commence à avoir des résultats. C'est-à-dire, dès que c'est bon, on sent qu'il y a une vague. Les républicains vont prendre une petite raclée pour le Congrès, pour le Sénat, ce n'est pas acquis, mais pour le Congrès, c'est presque acquis que les républicains vont prendre une raclée, à moins que Donald Trump n'a réussi à faire un miracle pour mobiliser vraiment toute salle qui a mobilisé comme ressource pour que les gens puissent voter. Malheureusement, nous avons parlé de poids réseaux sociaux dans l'élection. Oh, poids réseaux sociaux très très important. D'ailleurs, Gensmer Kempen qui a fait, Gampil qui a fait des nouvelles, qui fait des nouvelles, évidemment. Facebook prend un paquet de mesures. L'OPLA qui a fait un political aid et en publicité qui a un aspect politique, il faut dire, ou même ou affilié à tel groupe politique, ou c'est pas politique ou parler. Qui donc Facebook, Twitter, essayez de prendre des mesures, mon roné. Laissez la police ou pour courir des bandits. Bandit a toujours bon longueur d'avance sur vous parce que lui-même, ou a réagi, et lui-même s'est agi, la page. Merci à vous, Fernando, si vous avec nous matin. Eh bien, c'est ton plaisir, Sergino Lindor, pour me avoir dans Kaila. C'est ton plaisir pour me partager, Timon, avec tous les téléspectateurs TNH. Bye bye tout le monde, et vous êtes capable de retrouver pour l'élection américaine, moi, dans différents médias. Voilà, merci à vous, parce que vous avec nous. Vous avez en direct, parce que vous avez passé une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.